Le plus, Palais de l'Univers et des Sciences de Capelle-Lagrande a organisé en direct une diffusion des images du robot Philae qui s'est posé sur une comète. Rosetta, la sonde, partie dans l'espace depuis plus de 10 ans, a déposé son robot Philae sur une comète à plus de 500 millions de kilomètres de la planète bleue. DJ Schreiner a tenu en haleine le public tout au long de cet atterrissage en commentant les images du CNES et de l'ESA. L'un des spectateurs a même déclaré « C'est super de pouvoir vivre cela ensemble ». Le planétarium faisait partie des 4 sites référencés par l'ESA. Ce 12 novembre au plus, nous avons eu une fois de plus la tête dans les étoiles. Histoire à suivre.